Buonasera, buonasera a tutti, grazie per chi è qui presente, ai tantissimi che già so che si sono collegati online con noi. Libere di vivere dopo un tour davvero importante del 2021 che ha visto fare tappa in 12 città italiane dal nord al sud con un successo senza precedenti, con migliaia di persone che hanno seguito con davvero grandissima attenzione ogni tappa e tantissimi gli eventi che sono stati creati all'Atere. Chiude il tour proprio qui a Parigi e oggi siamo qui con le massime esperte italiane e francesi per parlare di un punto davvero importante, ovvero quelli che sono gli ostacoli economici della parità di genere. Ma io aprirei subito i lavori chiamando qui sul palco la Claudia Seghe, che è presidente della Global Thinking Foundation. Bonjour, bienvenue à tous et nous sommes heureuses et honorées de partager cette opportunité d'échange avec la DIRE et d'accueillir d'honorables intervenants pour parler des actions concrètes à mettre en œuvre sur les obstacles à une pleine inclusion sociale et financière des femmes et des hommes. Global Thinking Foundation encourage une culture de prévention contre la violence économique à travers des cours de planification familiale professionnelle destinés aux adultes et notamment aux femmes, intégrée par du matériel numérique et un centre d'écoute permanente. À cette fin, la Fondation établit des accords et des alliances avec des associations, des fondations et des entités publiques et privées afin de réaliser et soutenir des projets dont l'objectif est la promotion et l'émancipation des femmes par l'éducation, la formation et l'information. La Fondation est membre du réseau international de l'éducation financière de l'OCDE et son conseil d'administration est soutenu par le comité scientifique technique qui comprend des représentants des institutions françaises, ici avec moi aussi le comité France guidé par Madame Rosanna Talarico, et merci à notre volontaire. Et par ailleurs, la Fondation a publié un guide pratique violence économique conjugale utile et prévention. Et le 25 novembre de l'année dernière, la Fondation a été invitée par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont les colloques se sont tenus à l'Assemblée nationale. La Fondation souhaite de développer une approche commune au niveau européen ainsi qu'un cadre politique global de lutte contre la violence économique envers les femmes, au-delà des politiques nationales de chaque État membre. L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel et fondamental pour une société civile et pour une croissance économique et productive durable. Et la première étape pour obtenir une parité économique est l'égalité salariale, qui envisage un renforcement des actions du gouvernement pour agir rapidement sur le rattrapage salarial pendant la reprise économique. Et en même temps, dans le monde du travail, il y a des responsabilités et chaque entreprise doit se poser des questions sur la stigmatisation des mauvais comportements et valoriser les femmes du point de vue méritocratique, tout comme pour les hommes, en offrant les mêmes chances de carrière. Entre la France et l'Italie, il y a sûrement des différences remarquables quand on parle d'égalité des genres. Par exemple, l'approche du gouvernement français en matière de loi sur la protection des familles, des services pour aider les femmes et pour l'équilibre entre le temps de travail et la famille est plus efficace que celui du gouvernement italien. Et la France a commencé à considérer l'éducation financière un objectif important à côté des compétences numériques pour les jeunes bien avant l'Italie. L'Italie, avec le Comité national pour l'éducation financière, où la présidente est la professoresse Madame Lusardi, travaille pour réduire l'écart des genres sur la conscience financière. Au niveau européen, des inégalités restent toujours flagrantes, alors que le dernier rapport de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, publié en octobre, a mis en lumière l'étendue des inégalités au sein de l'Union européenne. Alors, les hommes gagnent en outre nettement plus d'argent que les femmes, avec un revenu mensuel de plus de 500 euros pour mensuel. Le risque de pauvreté est ainsi plus accentué pour les femmes que pour les hommes partout à la retraite. Si la France se situe au-dessus de la moyenne européenne avec un index d'égalité la plaçant au quatrième niveau européen, l'Italie est au quatorzième niveau. Des avancées restent à faire dans le domaine de la santé et de l'emploi selon le rapport. Et depuis 2018, l'inégalité homme-femme s'est par ailleurs creusée dans le domaine de la répartition des ressources financières de la situation économique.
Et pour une action efficace et pérenne, la Fondation considère fondamental un investissement à moyen et long terme sur le territoire français. Et de ce fait, la Global Thinking Foundation s'engage à formaliser des protocoles et des parrainages avec les municipalités, les départements et les régions d'Italie pour établir un cadre solide de collaboration en conformité avec les bonnes pratiques échangées lors des tables de travail des organisations de la société civile au sein de l'OCDE et du Fonds monétaire international. Et pour développer un strict partenariat avec les ordres professionnels des journalistes, des avocats, des psychologues et des experts comptables. Le parcours pour abattre les discriminations qui se sont intensifiées à la suite de la pandémie est long et je suis persuadée que ce débat, comme les projets qui vont se développer en France et dans les pays francophones, sont très importants pour pouvoir donner aux femmes la possibilité de sortir du silence, de libérer la parole et de se libérer et d'être enfin libre de vivre. Merci. Grazie, grazie Claudia. Questo evento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con Dire, Donne Italiane e Rete Estera, e in rappresentanza proprio di Dire chiamerei Francesca Bologna per un saluto istituzionale. Prego. Je fais partie du bureau du Dire et je représente ici notre présidente qui malheureusement n'a pas pu intervenir ce soir. Je voudrais remercier bien sûr la Global Thinking Foundation qui nous a invités à participer à l'organisation de cet événement. Événement très important pour nous. Nous sommes une association des femmes qui, avec force, détermination, s'est imposée dans le monde du travail en France, merci, en Italie et dans d'autres pays. Et ce qu'on a remarqué, c'est que malgré cette détermination, souvent, on rencontre des obstacles dans notre parcours pour des motivations exogènes qui nous rendent difficiles, voire impossibles, obtenir une réelle égalité dans le monde du travail à différents niveaux et dans différents pays. Ça, c'est une réalité. On en a parlé souvent. L'un de nos membres, Ursula Vaudo, qui est Chief Diversity Office de l'Agence spatiale européenne, nous disait lors d'un colloque organisé par notre association il y a un peu plus qu'un mois que la différence de rémunération entre hommes et femmes est un parcours très long et pour l'éliminer, malheureusement, les délais sont en train de s'agrandir. C'est-à-dire que si il y a 10 ans, il aurait fallu 50 ans estimés pour réduire la différence, maintenant il en faut 70. Donc il faut absolument accélérer les processus pour diminuer les différences, surtout salariales, entre hommes et femmes. Beaucoup de choses ont été faites au niveau des administrations publiques en Italie, des très belles choses en France avec ce projet de loi qui est en train d'être discuté. Et nous croyons fortement que même au niveau de la société civile, les débats soient nécessaires, qu'ils se développent, pour supporter ces instances et pour porter des actions positives. C'est pour cela que nous remercions vraiment les intervenants de ce soir, parce que nous considérons que cet événement sera une pierre importante dans le développement de ces débats. Merci. Merci, Madame Bologna. Et adesso chiamerei subito il padrone di casa, Roberto Giacone, direttore de Maison d'Italie. Sì, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie mille di essere presenti. Molti conoscono la Maison d'Italie, per chi non la conosce, diciamo che ormai da anni, naturalmente non a livello di stipendio, perché qua accogliamo dei giovani ricercatori, ma da anni ormai le donne e gli uomini sono praticamente in parità. Quest'anno poi abbiamo realizzato la parità assoluta perché siamo 50-50%, maschi e femmine, neanche parlo apposta, ma ormai in molti anni addirittura le donne hanno superato gli uomini, le giovani ragazze hanno superato gli uomini. Ma diciamo che su questo argomento, soprattutto la Cité Universitaire intera è molto sensibile a questo argomento e quindi secondo me è una grande bella cosa che Global Foundation questa sera abbia voluto fare proprio qui alla città universitaria questo incontro e quindi io ringrazio veramente gli organizzatori perché avete fatto un grossissimo lavoro, i presenti, in particolare permettetemi una concittadina, la ministra Fornero, perché non posso esimermi dal salutarla con grande piacere e quindi auguro a tutti una bellissima serata. Grazie direttore.
E adesso, prima di entrare nel vivo di questa tavola rotonda, vediamoci insieme un video. Al tour 2021 di Libere di Vivere! Iscrivetevi sul sito liberedivivere.com. E vi assicuro che io ho partecipato a una tappa di Libere di Vivere, questo video non rende neanche un decimo di quelle che sono le emozioni che riesce a trasmettere. A questo punto, se il collegamento ce lo permette, perché per causa di motivi istituzionali non è potuta essere qui, ci colleghiamo direttamente con Washington. Io la vedo pronta, l'Anna Maria Lusardi, professoressa della George Washington University, massima esperta al mondo di alfabetizzazione finanziaria e direttore del Comitato Italiano dell'Educazione Finanziaria. Buonasera professoressa, anzi, e direttrice. Buonasera a voi, grazie mille di questo invito. Allora, professoressa, con lei vorremmo fare un po' una panoramica di quello che è lo stato di salute delle famiglie italiane dal suo osservatorio privilegiato, cercando un po' di capire qual è la situazione delle donne e soprattutto dei giovani, e soprattutto vorremmo capire con lei quali sono gli impegni che sta portando avanti il Comitato, quelli fatti ma anche quelli del prossimo futuro. Sì, grazie ancora. Ringrazio la Global Thinking Foundation e in particolare Claudia Segre per questo invito. È un grande piacere partecipare a questo evento dedicato alle donne. Vi parlo oggi in questo mio duplice ruolo, sia come accademica ma anche come direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che, come dice il nome, ha proprio il compito di aumentare le conoscenze e le competenze finanziarie in Italia. E voglio partire, seguendo il vostro invito, a parlarvi dei dati e della ricerca. Tra pochi giorni metteremo pubblico un rapporto che abbiamo fatto in collaborazione con la Doxa, che parla della situazione finanziaria delle famiglie in Italia. Da questo rapporto emergono tre importanti dati. Innanzitutto, che continuano a persistere queste differenze di genere nelle conoscenze finanziarie. In Italia le donne, quando si guarda la loro conoscenza finanziaria, sanno meno degli uomini, e queste differenze di genere sono particolarmente accentuate in Italia quando facciamo un confronto con gli altri paesi. Inoltre lo sappiamo dai dati raccolti dall'OCSE che purtroppo queste differenze di genere sono già presenti tra i quindicenni, e su questo l'Italia ha un triste primato, ovvero siamo l'unico dei paesi OCSE in cui si vedono differenze di genere proprio tra i giovani. In sostanza, queste differenze di genere cominciano già sui banchi della scuola.
Il secondo fatto è che la vulnerabilità finanziaria ha il volto di una donna. Sono le donne quelle che sono finanziariamente più fragili, ben il 40% delle donne rispetto al 25%, scusate, ben il 30% delle donne rispetto al 20% degli uomini, e sono le donne che soffrono di più di ansia finanziaria quando pensano alla loro situazione finanziaria. I dati qua sono ancora più grandi, il 40% delle donne soffre di ansia finanziaria verso il 25% degli uomini. E il terzo fatto di cui voglio parlarvi è che la conoscenza finanziaria si è rivelata uno scudo per proteggere le persone dai colpi della crisi. Innanzitutto la conoscenza finanziaria aiuta molto e ad esempio attutisce anche l'ansia finanziaria, a dimostrazione di quanto sia importante. Il titolo del rapporto è proprio l'educazione finanziaria come anticorpo alla vulnerabilità economica. E anche tanti altri studi nazionali e internazionali parlano di quanto sia importante avere queste conoscenze finanziarie e acquisirle, perché è un modo di essere non solo finanziariamente più serene, ma anche di essere indipendenti, di essere libere di vivere, come dice bene il titolo di questo evento. Devo dire che anche nel mio ruolo di docente e di economia e finanza qui alla George Washington University ho sviluppato ad esempio un corso di finanza personale e ho potuto toccare con mano quanto sia importante, in particolare per i giovani, in particolare per le studentesse, avere questi strumenti, queste conoscenze finanziarie. Molti studenti mi scrivono nel tempo, e in particolare le studentesse, e una di loro mi ha detto che questo corso ha cambiato la sua vita. Ecco, io credo che gli studi ci dicano proprio questo, che la conoscenza finanziaria ha la capacità di cambiare la vita delle persone ed è in particolare importante per le donne. È su questi dati che il comitato si è basato per costruire un nuovo piano triennale per l'educazione finanziaria in Italia. Già da questo anno abbiamo voluto rivolgerci ai gruppi più vulnerabili, ovvero i giovani e le donne. E sono a loro e alle donne che abbiamo rivolto molte delle iniziative che il Comitato ha fatto già questo anno e che si propone di fare nel prossimo triennio. Ad esempio, abbiamo lanciato una campagna nazionale di informazione e si è rivolta in particolare alle donne. Infatti il nostro personaggio principale era una donna, una mascotte quasi, che si chiama Sofia, e spero che abbiate potuto vederla non solo sui vari giornali nazionali ma anche sulla televisione e anche su tutti i nostri social. Durante il mese dell'educazione finanziaria in Italia, la quarta edizione che si è svolta ad ottobre, abbiamo sviluppato e le iniziative del comitato si sono rivolte in particolare alle donne e abbiamo visto anche come le altre iniziative fatte da tanti altri, e su cui voglio in particolare ringraziare il contributo della Global Thinking Foundation, molte dei target quest'anno sono diventate le donne. E devo dire che le donne come target sono salite anche nella classifica e quindi per la prima volta abbiamo avuto, oltre ai giovani, tante iniziative rivolte alle donne. Anche il nuovo materiale che metteremo sul nostro portale, che si chiama quello che conta.gov.it, è molto indirizzato alle donne. Infatti una delle nostre nuove iniziative è una web series, quindi quasi dei piccoli film, letteralmente alla Netflix, che parlano di decisioni finanziarie, e uno dei target principali proprio di queste web series sono proprio le donne. Ed inoltre abbiamo fatto iniziative specifiche dirette alle donne
in collaborazione con associazioni nazionali che hanno una diffusione capillare in Italia e che quindi possono raggiungere ancora meglio le donne un po' in tutte le città e i piccoli paesi dell'Italia. E occorre, a nostro avviso, partire presto e dalla scuola. Sappiamo che queste differenze di genere iniziano molto presto, come dicevo prima, sui banchi della scuola. Occorre mettere l'educazione finanziaria obbligatoria a scuola e far sì che tutti, ed in particolare le bambine e le ragazze, abbiano accesso alla educazione finanziaria. È qualcosa di particolarmente importante per il nostro paese e posso dirvi che il Comitato è in prima linea affinché questo possa accadere. E direi in generale che non possiamo più, date queste statistiche, procedere a piccoli passi. La crisi ci dà una opportunità di reimmaginare il nostro futuro e non possiamo tornare al normale prima della pandemia, perché quel normale già non andava bene. Dobbiamo infrangere un soffitto che in Italia non è di cristallo, ma di pietra, e far sì che le donne possano fare un balzo in avanti. Come accademica e come economista mi piacciono, come avete visto, i dati e i numeri. Ma una persona mi ha detto di un proverbio che dice più o meno così: se le donne abbassano le braccia, cade il cielo. È una delle più belle statistiche e immagini che ho sentito, altro che PIL e crescita economica. Se le donne devono essere solide e sicure per fare un compito così importante, tener sul cielo, dobbiamo veramente rivolgerci a loro. E voglio concludere qui con un ringraziamento a tutte le donne che sono qui oggi e che non hanno mai abbassato le braccia. Grazie a tutti e bonsoir à tous. Grazie professoressa. Grazie davvero per il suo intervento. Adesso entriamo un po' nel vivo di questa tavola rotonda e lo facciamo insieme a Isaf El Hassini, giurista finanziario, fondatrice del Lyon in France, CEO di Ma Juste Valeur, esperta in parità salariale, con Marie-Pierre Rixen, deputata francese, presidente della delegazione dell'Assemblea Nazionale per i diritti delle donne e le pari opportunità, e con la Elsa Fornero, economista accademica e politica italiana. Allora, cominciamo subito col dire che il quadro che è emerso della situazione italiana sicuramente non è roseo, anzi. Quello che vorremmo un po' cercare di capire questa sera è andare un pochettino più avanti con l'età. Ci sono delle età fragili che sicuramente sono quelle delle ragazze dove si può lavorare, dove giustamente la professoressa Lusardi diceva bisogna fare dell'educazione finanziaria una materia di studio nelle primissime classi. Ecco, ma c'è anche chi magari il percorso di studi l'ha terminato e magari sta nella fase più complessa della propria vita, quella in cui si sta quasi per smettere di lavorare per arrivare all'età pensionabile, che non è mai facile per nessuno, tantomeno per le donne. Allora io vorrei chiedere subito con Madame Rixen, qui in Francia com'è la situazione? Questa disparità che abbiamo riscontrato in Italia è presente anche qui? Avant de répondre à votre question, j'aimerais avant tout vous témoigner de l'immense bonheur que j'ai ce soir de me retrouver dans cette assemblée de femmes et de voir à quel point l'égalité homme-femme et l'égalité économique fait son chemin en Europe et même plus en Italie d'ailleurs qu'en France d'après ce que j'observe. Pour répondre à votre question, effectivement, alors moi je suis vraiment une femme qui travaille, donc je suis vraiment dans la société privée, je ne suis pas quelqu'un qui intervient dans la société publique comme peut l'être Madame Rixen ou comme peut l'avoir été Madame la Ministre ou comme le sont d'autres femmes qui sont dans cette assemblée. Et vraiment, j'aimerais vous témoigner de l'expertise que j'ai du terrain.
comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis experte en égalité salariale et surtout en négociation de rémunération. Et ce que j'ai découvert, en fait, à travers mes tours de France et mes tours du monde de la négociation de rémunération, c'est que les femmes ne sont pas du tout préparées à entrer sur le marché de l'emploi. Nous sommes de très bonnes élèves, nous excellons dans nos domaines, mais lorsqu'on arrive dans le monde de l'entreprise ou sur le marché du travail, nous n'avons pas les règles du jeu. Et j'aime bien faire cette image-là, c'est que les femmes, j'aime bien du coup illustrer ça avec cette image, les femmes entrent dans le marché du travail de la même manière qu'on leur donnerait un pass pour accéder à la piscine. Elles entrent dans la piscine, elles ne savent pas nager. Du coup, soit elles coulent, elles se jettent à l'eau et elles coulent, soit elles restent sur le banc de touche, soit elles quittent la piscine. Et c'est la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui. Soit elles sautent sans savoir nager dans le monde du travail et elles ne savent pas naviguer avec les codes du monde de l'entreprise et du monde du travail et du coup elles coulent parce qu'elles s'épuisent à essayer de vouloir vraiment naviguer dans ce monde-là, soit elles quittent dans un mouvement vraiment de dégoût, merci mais non merci, je rejette ce monde-là qui n'est pas du tout adapté à ma vie, à ma carrière et qui n'est pas du tout adapté à ma trajectoire et à mes tranches de vie, soit vraiment, elles décident de rester sur le banc de touche et puis elles abandonnent. Et la réalité aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle nous ne sommes pas vraiment préparés à entrer sur ce marché du travail et nous prenons vraiment de plein fouet les inégalités salariales et les inégalités de genre professionnelles de manière générale, c'est que si on revient du coup aux bases, le monde du travail, c'est un monde d'hommes qui a été créé pour les hommes, avec les hommes et pour les hommes. Et du coup, les femmes n'ont pas été prises en compte dans cette équation. Et comme elles n'ont pas été prises en compte dans cette équation, la société a évolué d'une manière un peu plus rapide que le monde du travail et le monde de l'entreprise ne souhaitent évoluer. Et du coup, malheureusement, les choses sont encore à la traîne. Et aujourd'hui, effectivement, je vais vous donner un chiffre qui est vraiment très criant et très parlant. C'est le chiffre de 16,5%. C'est le chiffre Eurostat qui correspond aux inégalités salariales entre hommes et femmes. Et avec le collectif pour lequel je suis porte-parole par ailleurs, qui s'appelle Les Glorieuses, nous avons calculé, avec une simple opération qui est très simple, que du coup, les femmes arrêtent de travailler en France, tout du moins, le 3 novembre à 9h22. Et je vous laisse imaginer, en fait, toute cette perte et cette richesse économique qui échappe au monde de l'entreprise. On parle beaucoup de compétitivité. On dit vraiment que la France et l'Italie et l'Europe doivent être vraiment compétitives économiquement parlant et humainement parlant. Et en fait, la difficulté, c'est que le prisme des inégalités salariales et des violences économiques en tout genre, en fait, est pris du côté des femmes et pas du tout des entreprises. Et on s'arrête sur le fait de dire c'est la meilleure chose à faire, c'est la chose la plus juste à faire, mais on ne prend jamais ça en se disant c'est la chose la plus économiquement intelligente. Volevo chiedere alla professoressa Fornero, perché secondo lei ancora oggi, siamo nel 2021, l'indipendenza economica fa ancora paura? E poi avevamo sentito parlare della formazione, tutto quello che riguarda l'educazione finanziaria delle bambine. Secondo lei è possibile farlo anche per persone di età, possiamo dire così, più matura? Ha senso? Allora, grazie. Grazie per questo invito, grazie Claudia. Ho partecipato ad altri eventi organizzati da Libere di Vivere e devo dire che ho sempre molto apprezzato l'energia, la dedizione, anche la passione che Claudia mette in Claudia. Io dico Claudia perché è quella che conosco, ma vorrei dire tutte voi mettete in questo obiettivo. È un obiettivo importante, si sono fatti molti progressi, è inutile dire che i progressi, non, bisogna riconoscere che ci sono stati, però c'è ancora molto da fare. E è anche vero, io ho molto riflettuto su questi temi, quando sono stata ministro sono stata anche, ho avuto la delega alle pari opportunità. Le pari opportunità sono non soltanto la parità di genere, ma sono anche la parità di diritti, per esempio, rispetto a differenze religiose, differenze di altro tipo. E essendo io un economista, questo non era un tema sul quale ero molto ferrata, perché gli economisti non considerano molto i temi di genere. Anzi, vi posso dire che in, per esempio, commissioni nelle quali sono stata dal punto di vista scientifico, quando si proponevano temi di ricerca, e io magari sottolineavo l'importanza di mettere tra i temi
della possibile ricerca anche quello della parità oppure della diversità di atteggiamenti, di comportamenti tra generi, per esempio in ambito di scelte finanziarie, beh, questo veniva sempre considerato un tema di terzo ordine, mai un tema per cui premiare veramente uno studente finanziando la ricerca. Ecco, c'è molto da fare ancora. E in questa riflessione io credo che noi dobbiamo andare oltre gli stereotipi, perché gli stereotipi sono quelli che alla fine modellano il nostro comportamento. E le differenze di genere sono ancora oggi dominate da stereotipi. E ve ne darò qualche esempio. Ma sugli stereotipi c'è invece qualcosa che è considerato, diciamo, un dato imprescindibile, ed è il fatto che gli uomini hanno comunque una concezione di dominanza rispetto alle donne. Non accettano il concetto di indipendenza delle donne anche nella, diciamo, concezione più ristretta di indipendenza economica, perché l'indipendenza è un valore della persona. L'indipendenza economica ti dà i mezzi per uscire dal recinto nel quale qualcuno ti vuole mettere, che sia un padre, che sia un compagno, un marito, un fratello, qualche volta sono anche i fratelli che in mancanza magari di un genitore dicono tu devi fare questo alle donne, in campo di scelte, chiamiamole sentimentali, e nel campo delle scelte economiche. Io non sto parlando qui adesso dell'Afghanistan, sto parlando delle nostre società, dove i dati, per esempio, sulla violenza che c'è. Noi in Italia abbiamo raggiunto numeri che sono veramente, francamente, inaccettabili. E perché questo? Ma perché gli uomini non accettano l'indipendenza femminile, non accettano una donna che si senta proprietaria della propria vita. È ancora troppo diffuso questo atteggiamento proprietario. In fondo tu sei di qualcuno e questo qualcuno vuole entrare nelle tue decisioni. Allora, questo è un dato di mancanza, secondo me, di istruzione appropriata, considerazione dei contesti storici, dei contesti geografici, se vogliamo anche delle influenze religiose. Come base di tutto dovrebbe esserci una nozione di rispetto, che però in certi casi viene a mancare proprio perché se io sono quello che può determinare le scelte importanti della tua vita, non ho motivo per rispettare le tue scelte. E questo è qualcosa che permea anche la nostra società. Allora io penso che la prima cosa importante da fare è l'educazione fin da piccolissimi, l'educazione al rispetto, cioè qualcosa che non c'è molto, perché anche i bambini qualche volta non giochi da bambine non le vogliono, oppure considerano le bambine come, va bene, già la parte debole della società. E questo va corretto, è un'impostazione educativa che spesso gli insegnanti non hanno, non condividono, non considerano, e quindi questo porta poi a degli atteggiamenti magari da bulli nell'età adolescenziale e poi appunto quegli atteggiamenti che dicevamo prima un po' proprietari. Accanto a questo ci sono i dati, Anna Maria diceva, i dati dell'economia, che potrebbero, diciamo così, sfatare questi luoghi comuni, queste false conoscenze che invece sono molto presenti. Uno dei dati da sfatare è che il lavoro delle donne è sottratto agli uomini. Spesso si pensa che se una donna lavora, sottrae il posto a un uomo. E guardate che c'è molto questa idea. In fondo il lavoro della donna è considerato complementare
a quello dell'uomo, che è il maschio che porta a casa la pagnotta, the breadwinner. The breadwinner è sempre l'uomo, ma c'è ancora questo atteggiamento. E invece i dati mostrano che là dove i tassi di occupazione sono più alti per gli uomini, sono anche più alti per le donne. Quindi dove è bisogna proprio cambiare l'ottica in cui si vede, si guarda al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro inclusivo è un mondo che deve includere gli uomini, il segmento forte, gli uomini di età adulta sono il segmento forte del mercato del lavoro, ma bisogna che questo mondo includa le donne, i giovani, che oggi sono marginalizzati e precari, e anche i lavoratori non più giovani ma non ancora anziani, ai quali in alcuni paesi, compreso il mio, si pensa soltanto in termini di pensionamento. Allora qui bisogna cambiare paradigma. Si può fare, e paesi che hanno la parità da più tempo dimostrano che l'occupazione può essere inclusiva e che l'occupazione delle donne non esclude quella degli uomini. Aggiungo che l'altro luogo comune, il lavoro, determina un abbassamento del tasso di fecondità. Non è così. Di nuovo noi vediamo nei dati, nelle statistiche, che là dove c'è, dove le donne sono maggiormente occupate, il tasso di natalità è più alto, quindi le donne fanno in media più figli. Questo è un dato positivo, perché una società che invecchia perché non nascono bambini e le persone vivono, meno male, più a lungo, beh, è una società che perde dinamismo, è una società che perde creatività e perde innovazione. Quindi anche in questo caso il lavoro delle donne aiuta un elemento di integrazione sociale estremamente importante, integrare i giovani. Infine io penso che questo dell'indipendenza economica, a cui è associato un tema che sta anche molto a cuore a Claudia, cioè il tema della violenza economica nei confronti delle donne, che è subdola, che non è qualche volta molto manifesta, ma si determina in consuetudini anche di scelta nei posti elevati dove le donne vengono scarsamente considerate. Ebbene, questa indipendenza economica deve diventare un valore sociale, e non lo è. Almeno nel mio paese l'indipendenza economica delle donne, che non è l'indipendenza tout court, ma è una parte importante, bene, non lo è ancora un valore sociale. E allora bisogna che il sistema educativo spinga in questa direzione. E il sistema educativo può fare moltissimo. Allora, all'interno del sistema educativo, le conoscenze finanziarie di base, quindi quella che noi chiamiamo l'alfabetizzazione finanziaria, gioca un grosso ruolo. Quindi questo è un elemento che completa un quadro che deve essere più completo, perché se noi abbiamo, noi sole abbiamo la coscienza di quanto importante sia essere indipendenti, ma non la condividiamo con gli uomini, beh, non riusciremo a sfondare e a raggiungere veramente la parità. Presidente Rixen, lei ha proposto un disegno di legge proprio a riguardo per cercare di limitare le diseguaglianze nell'età pensionabile. Ci può raccontare, perché abbiamo parlato delle problematiche, ma sarebbe anche interessante capire quali sono le possibili soluzioni. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Merci à la Global Thinking Foundation pour votre invitation. En effet, vous aviez participé l'année dernière à un colloque sur les violences économiques organisé à l'Assemblée nationale dans le cadre de ses travaux préparatoires à la proposition de loi que j'ai eu l'honneur de déposer le 8 mars dernier sur la question de l'égalité économique et professionnelle. Et je dois dire que nos réflexions avaient été extrêmement riches et ont nourri notamment les deux premiers articles de cette proposition de loi qui vise à faire en sorte que les femmes, les hommes
puissent librement disposer de leur salaire sur un compte en banque. Donc, salaire et revenu également social individuel. Peut-être avant de rebondir sur votre question plus précisément, et donc j'imagine en lien également avec, avec la proposition de loi que j'ai écrite et qui est maintenant à l'approche d'être totalement adoptée, je voudrais rebondir sur les interventions précédentes et dire d'abord qu'en effet, très longtemps, l'argent des femmes a été considéré et est toujours considéré comme un argent de poche, un argent d'appoint. Et en cela, je rejoins ce que vous disiez précédemment, Madame la Ministre. Et nous partageons également ce point avec notamment les Glorieuses. L'argent des femmes ne doit plus être considéré comme un argent d'appoint, comme un argent complémentaire, en effet. Les femmes, et donc c'est tout l'objet de la proposition de loi que j'ai souhaité déposer, les femmes doivent être reconnues comme des acteurs, comme des actrices, des sujets économique de plein droit et entier. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela est bénéfique à notre économie, cela est bénéfique aux entreprises, et puis c'est évidemment bénéfique aux femmes et aux hommes eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, une femme qui est maître de son destin sur le plan économique, qui est autonome financièrement, sera une femme qui pourra construire son bonheur, comme le disait Simone de Beauvoir, sa liberté. Et cela permettra également aux hommes de se libérer. Parce que comme le disait Olaf Palme dans les années 70, premier ministre suédois qui a initié cette vague d'autonomie des femmes dans les années 70, eh bien, pour émanciper les femmes, il faut d'abord émanciper les hommes. Et on peut imaginer aujourd'hui que dans nos sociétés, les hommes n'aient plus forcément envie d'être les paters familias, justement, qui font bouillir les marmites, mais ils ont peut-être aussi des aspirations personnelles, également le souhait peut-être de s'occuper davantage de leurs enfants, d'ailleurs je pense que cela est souhaitable, mais également de vivre leur vie en dehors d'une vie professionnelle. Et vous disiez également que le fait que les femmes travaillent davantage, soient autonomes sur le plan économique, n'avait pas nécessairement d'incidence sur le plan démographique, voire même au contraire, bien sûr, mais à condition qu'il y ait un effet de vase communicant et que, à partir du moment où les femmes intègrent davantage le monde du travail, sortent du foyer, les hommes également intègrent davantage le foyer et prennent en charge notamment la question du travail domestique et du travail familial qui aujourd'hui pèse en grande partie sur ces inégalités économiques que pointent très justement les Glorieuses chaque année. Parce que dans ces inégalités économiques, il y a en effet des inégalités salariales, mais il y a également tout le temps gratuit que les femmes consacrent à la vie de leur foyer, voire même ce que je trouve extrêmement pernicieux de nos jours avec les réseaux sociaux, on fait croire à quel point ce travail gratuit est un travail non plus avilissant, mais enthousiasmant et presque formidable et esthétique et épanouissant. Donc je crois qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges. Rappeler qu'en effet, le monde du travail, le monde de la vie économique a besoin des femmes, parce que nécessairement, lorsque vous élargissez le vivier des talents dans lequel vous allez piocher, et les femmes sont, je le rappelle aujourd'hui, en moyenne à l'échelle européenne, et c'est également le cas dans un certain nombre de pays du monde, sont mieux formées. Donc les compétences aujourd'hui sont des compétences qui sont également des compétences de femmes. Donc les entreprises, le monde du travail a besoin de ces compétences, ne peut pas s'en priver. Et c'est en cela d'ailleurs qu'aujourd'hui les investisseurs regardent de très près, en effet on va y venir, la composition notamment des instances de direction des entreprises, parce qu'il est extrêmement documenté aujourd'hui qu'une entreprise qui a ses boards les plus féminisés aura des résultats qui seront meilleurs à des entreprises qui au contraire se privent de ces talents féminins. Et puis, je souhaiterais également dire que il y a en effet, vous parliez tout à l'heure des jeunes adolescents, ou c'est le professeur qui parlait des adolescents,
Rappelons en effet que tout cela se construit dès le plus jeune âge. Et il y a un certain nombre d'études françaises, mais également européennes, j'imagine que ça a été le cas également, ça a été fait en Italie, qui montrent que déjà, on ne donne pas la même somme à des enfants de 10-12 ans en termes d'argent de poche entre les garçons et les filles. Considérant que les achats des garçons sont plus coûteux ou que les parents peuvent eh bien, subvenir comme ça plus facilement aux demandes des petites filles. Donc c'est absolument important, je crois qu'il faut en effet rappeler dès le plus jeune âge, le rôle de l'école, mais le rôle également des familles sur l'autonomie économique des petites filles. Donc on voit bien en effet qu'il y a un certain nombre de raisons à ces inégalités économiques. On a dit en effet, et j'allais y venir, que c'était un monde en effet fait par les hommes, le monde du travail, le monde économique, et notamment au XIXe siècle, hein, en tout cas en France, où on a demandé, enfin, vraiment avec un esprit très napoléonien, où on a invité, plus qu'invité, les femmes à rentrer de nouveau dans le cercle familial, et on a invité les hommes à aller à la fois dans les usines, dans les industries et dans le monde économique. Et donc on voit bien que donc ce monde a été fait par des hommes pour des hommes. Moi je dis aujourd'hui que ce monde, il peut être fait par les femmes, avec les femmes, et pour les femmes et pour les hommes. Et en effet le sujet, c'est de faire en sorte que nous changeons les règles. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut que les femmes s'adaptent au monde en question, il faut que ce soit le monde du travail, la vie économique de manière générale, qui s'adapte notamment aux exigences féministes, mais également à celles des nouvelles générations, puisque les générations YZ, comme on les appelle souvent, sont aujourd'hui beaucoup plus exigeantes et n'ont pas du tout les mêmes attentes sur le plan professionnel. Donc il faut en effet changer ces règles. D'où une proposition de loi. Donc, qui a, au-delà des deux articles que j'ai cités tout à l'heure sur la prévention des violences économiques, vise à faire en sorte, notamment, qu'il y ait davantage de femmes dans les instances de direction des entreprises. Donc, vous savez, en France, nous avons voté il y a maintenant 10 ans une loi qui a été d'ailleurs reprise en Italie via la députée que j'ai eu l'honneur de rencontrer il y a un mois. Alors, j'ai oublié son prénom, députée Mosca, de mémoire. Comment ? Mosca, Alexia Mosca, j'ai oublié son prénom, avec laquelle j'ai eu le plaisir d'échanger à Milan il y a 3 semaines. Et donc, cette loi Copé-Zimmermann, et donc en Italie la loi Mosca, qui a permis eh bien, de féminiser les conseils d'administration. Donc c'est très bien, nous avons pu fissurer l'escalier extérieur des entreprises, puisque les conseils d'administration sont généralement recrutés à l'extérieur des entreprises, mais ce fameux plafond de verre, voire plafond de pierre, comme il a été dit tout à l'heure, eh bien, reste toujours bien solide, ancré sur lui-même, et les femmes y sont tout le temps, en permanence, confrontées. Donc, il faut agir. Et nous avons, donc, j'ai souhaité, donc, à travers cette proposition de loi, aller plus loin et faire en sorte qu'il y ait des quotas sur les comités de direction et les comités exécutifs des entreprises. Donc il y aura en France, d'ici 8 ans, une obligation, d'ici 5 ans, une obligation de 30% dans les CODIR et les COMEX, et d'ici 8 ans, une obligation de 40%, avec en effet une sanction financière si cela n'est pas respecté. Et cette obligation, au-delà d'un principe de partage du pouvoir économique et de la gouvernance, et cela a évidemment son importance, vise notamment à fissurer ce fameux plafond de verre, parce que pour permettre à des femmes d'accéder à des instances de direction, il va falloir que, dans un système de granularité, in fine, on féminise également le fonctionnement de l'entreprise. Ça signifie également qu'il va falloir qu'il y ait un certain nombre de règles de promotion à l'intérieur de l'entreprise qui évoluent, en effet, le congé maternité ou de paternité, puisqu'en France, il a été maintenant rendu obligatoire et allongé, et j'espère qu'il le sera encore davantage, eh bien, va être pris en compte. Et il va falloir résoudre ce problème de cases, de fourchettes d'âge, d'où en effet la nécessité également d'intégrer et de prendre en compte
les talents les plus les talents seniors, comme l'on dit dans les entreprises. Parce que quel dommage pour les entreprises d'avoir permis à des talents de pouvoir mûrir. Et alors même que le fruit est mûr et peut porter les meilleurs résultats dans les entreprises, on se prive de ces talents. Donc quel dommage. Donc voilà, en substance, et puis des dispositions également pour contraindre la Banque publique d'investissement de féminiser ses comités d'investissement, parce que nous parlions de stéréotypes, nous aurions pu parler de biais de genre, et on sait à quel point aujourd'hui, lorsqu'une jeune femme entrepreneur va demander de l'argent, on va lui demander d'abord quel risque elle fait peser à ses financeurs, à ses investisseurs, alors qu'aux hommes, on va davantage les questionner sur les opportunités de croissance qui sont les leurs, et nécessairement, les résultats ne seront pas les mêmes. Et on peut comprendre après pourquoi, en France, seulement 2% des entreprises portées par des femmes sont financées par la BPI, contre 79% d'équipes masculines. Donc il fallait, je crois, agir avec urgence. Voilà en substance les grands principes de ce texte. Bisogna dire che effettivamente la legge Guelfo-Mosca, che è questa a cui si riferiva, quest'anno ha compiuto 10 anni, esattamente a giugno, non è stata la panacea di tutti i mali, bisogna dirlo, ma è stato sicuramente un grimaldello per cambiare qualcosa, quantomeno per provarci. Avvocato, allora chiedo invece a lei, uno dei principali argomenti adottati per spiegare questa lentezza nel cambio di passo è il fatto del tema dei costi. Ok. Il tema dei costi, perché si pensa che questi costi gravino sulla società e sulle imprese. Ecco, la parità di retribuzione è un'utopia effettivamente troppo costosa per noi? Allora, merci per questa question. Question que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'effectivement, l'un des premiers freins à l'égalité économique et l'un des premiers arguments qu'on avance pour freiner un peu cette marche vers l'égalité économique, qui est quand même le dernier bastion du patriarcat, ne l'oublions pas. Je vais juste débuter avec cette phrase-là. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. C'est quelque chose qui a vraiment été, qui s'est vu dans toute la libération des peuples, à commencer par le peuple que l'on connaît tous et qui est les États-Unis d'Amérique, hein, et qui continue aujourd'hui. Donc, en fait, la difficulté, c'est qu'on, l'argument qu'on avance, c'est de dire, vous comprenez, nous, on veut bien instaurer l'égalité salariale dans nos structures, dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, dans l'espace public également, mais c'est un coût qui est trop important pour le contribuable, trop important pour l'entreprise. C'est pas du tout vrai. Je vais vous donner un des premiers, moi, de par mon travail, notamment avec les Glorieuses, avec les Lignes de France, mais aussi avec Ma Juste Valeur, j'ai dessiné pas mal de solutions qui permettaient déjà de faire tomber cet argument-là qui est brandi un peu comme un épouvantail pour nous faire peur. Donc déjà dans le monde de l'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de manières de rémunérer un talent féminin à sa juste valeur sans passer par l'augmentation de son salaire fixe. La plupart des femmes, et c'est pour ça qu'on parlait d'enseignement économique, et c'est pour ça qu'à mon sens, il est très important de commencer par l'éducation, les femmes ne sont pas au courant de tous les éléments qui composent leur rémunération. Elles pensent que leur rémunération, c'est le chiffre qui est indiqué en bas à droite de leur bulletin de salaire. En réalité, pas du tout. Leur rémunération est composée de 3 éléments, leur salaire fixe, le salaire variable et les avantages en nature. Et dans les avantages en nature, il y a beaucoup de mesures qui sont indolores pour l'entreprise, donc qui ne coûtent pas d'argent ou qui ne coûtent pas beaucoup d'argent pour l'entreprise et qui permettent d'élever et de niveler vers le haut le niveau de rémunération des femmes, et que tout ça se fasse dans la joie et la bonne humeur, sans que personne ne subisse encore plus d'inégalités. Et pour vous donner un exemple, c'est là-dessus qu'il faut conduire le changement, à mon sens, dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment d'adapter les structures privées aux carrières et aux spécificités des carrières féminines. L'un des premiers exemples, c'est le 4/5 rémunéré au temps plein. On parle souvent des temps partiels, on a parlé du temps partiel, du temps des travaux domestiques, du fait qu'ils ne sont pas rémunérés, etc. Et en réalité, beaucoup de femmes se rendent compte à l'arrivée de leurs enfants et après avoir accédé à la maternité
que malheureusement, elles sont obligées de travailler à temps partiel. Or, la réalité, c'est qu'elles sont, si on prend le 4/5 versus temps plein, donc 5 jours sur 5, en réalité, elles se retrouvent à développer leur efficacité et à travailler, à faire le travail de 5 jours sur 4 jours. Mais en revanche, elles ont 80% de leur salaire. Donc leur charge de travail n'a pas diminué, mais leur salaire, oui, a diminué. Et moi, ce que je propose aux entreprises, et c'est une mesure qui est complètement indolore, par exemple, c'est de dire, bah, pour celles qui sont intéressées, nous pouvons vous offrir un 4/5 qui est rémunéré au temps plein, et ça vous permet d'augmenter votre rémunération de 20%, puisque vous êtes payé 100% du temps pour 4/5 du temps travaillé. Ça, c'est une première piste de solution. Et puis, je me tourne du coup vers Madame Rixin pour des pistes de solutions qui sont plutôt qui peuvent être implémentées par l'État. C'est le principe notamment des gains conditionnalité. En France, on l'a remarqué, depuis la crise Covid, on a eu ce qu'on appelle le prêt garanti à l'État. Et en fait, beaucoup d'entreprises ont vraiment sollicité cette aide de l'État. Or, il y a également l'État qui subventionne énormément les entreprises, enfin en tout cas qui intervient sur le subvention des entreprises et qui les fait intervenir sur des marchés publics, etc. Et en fait, on s'aperçoit que conditionner l'accès au marché public, conditionner l'accès aux prêts garantis par l'État, conditionner l'accès à des suspensions publiques, donc qui sont issues de l'argent du contribuable, au respect de l'égalité dans les structures de ces entreprises, c'est une mesure qui est complètement indolore pour le contribuable et qui permettrait vraiment de mettre en mouvement les entreprises. Parce que la réelle difficulté, en réalité, c'est que les entreprises ont du mal à suivre vraiment le mouvement. Et tant qu'on ne les force pas un petit peu, comme on le fait avec le législateur, comme on le fait en imposant des choses, comme la société le fait en essayant d'imposer les choses, malheureusement, les choses n'iront pas suffisamment rapidement pour nous. Allora, invece volevo chiedere a lei, professoressa Fornero, quando Ursula von der Leyen si è insediata ha fatto come suo obiettivo non solo quella della transizione ecologica e digitale ma anche quello della parità. Ecco, quali sono gli obiettivi che non solo l'Italia ma l'Europa si deve porre e soprattutto ci sono delle differenze, possiamo dirla così in maniera semplicistica, tra il nord e il sud d'Europa, cioè delle best practice a quale dobbiamo guardare? Ci sono certamente, anche se posso raccontarvi un piccolo aneddoto, cioè anche le donne che magari ammiriamo, quando sono in politica devono fare dei conti sui voti. Perché io ero ministro del lavoro quando anche Ursula von der Leyen era ministro del lavoro e abbiamo lavorato parecchio insieme, in particolare per un programma di apprendistato duale che riguardava i giovani, che era un bellissimo programma su cui la Germania, che in quel momento appariva come il paese che voleva l'austerità rispetto ai paesi mediterranei, era anche disposta a mettere soldi su programmi per aiutare in particolare l'occupazione giovanile. Allora si trattava di occupazione giovanile. E qualche mese dopo questo programma che abbiamo fatto, lavorando molto intensamente anche con il loro centro per l'impiego che sta a Norimberga, poi è stato abbandonato, ma si trattava di invece spingere per una direttiva europea a favore delle quote nei consigli d'amministrazione. E siamo andati avanti, alcuni di noi siamo andati avanti, io ero molto favorevole, noi ce l'avevamo già, per una volta l'Italia era prima, poteva anche vantare un primato. Ebbene, questo non si è fatto perché la signora Merkel non ha voluto. Perché la signora Merkel aveva, insomma, un partito conservatore molto vicino alle imprese. Le imprese tedesche sono anche molto a conduzione maschile. E se vogliamo, dal punto di vista della parità economica, la Germania non è esattamente il paese, è un paese che ha istituzioni molto forti, una compattezza, moltissime qualità che noi possiamo apprezzare, però dal punto di vista della parità non è esattamente il modello forse a cui ispirarsi. Ebbene, è stata Ursula von der Leyen mi disse: guarda, non possiamo andare avanti perché la nostra cancelliera su questo non ci sente. C'erano anche delle elezioni
qualche land che dovevano essere vicine e lei non se l'è sentita. Allora, questo vuol dire che bisogna effettivamente anche, come dire, educare i politici, perché qualche volta su questo tema, come ho detto prima, alcuni proprio non ci sentono, altri lo considerano un tema come un po' gli ESG adesso nelle società. Bisogna essere sostenibili, bisogna avere tutti gli obiettivi che la sostenibilità sociale, ambientale e la parità di genere impongono. Però lo capisci benissimo che in certi ambienti questo è solo una ciliegina sulla torta, ma insomma non è invece un obiettivo vero, anche se probabilmente le cose stanno cambiando. E quindi anche questo, ogni tanto delle forzature ci vogliono, perché la consapevolezza, io potrei dirvi, io ho firmato per l'Italia, mi pare che fosse ieri, il decennale del Trattato di Lisbona sulla violenza nei confronti delle donne in ambito domestico e la violenza di genere. Non sto a raccontarvelo perché non è il momento, ma credetemi, io l'ho firmato perché un collega maschio al quale spettava non ha voluto. E ha chiesto a me, che ero politiche di parità di genere, mi ha detto vai tu a Strasburgo a firmare. Credetemi che la sera prima io ho ricevuto una pressione per non andare a firmare questo. Parità di genere, Trattato di Istanbul, voi conoscete il Trattato di Istanbul, che scrive delle regole contro la violenza sulle donne. Quindi anche in ambienti dove si prendono le decisioni democratiche, il tema della parità non è veramente sentito. E vi faccio un ultimo esempio e poi taccio. Prima abbiamo parlato di pensioni. Bene, l'idea dominante sulle pensioni è che le donne vadano sempre compensate. In qualche modo non ci deve essere lì, per esempio, una parità di trattamento, no. Sapete perché? Perché prima non si danno loro le opportunità uguali e le retribuzioni uguali e poi si adotta la politica del contentino e qualche volta le donne messe un po' alle strette accettano il contentino, ma oggi ci sono studi che dimostrano che il pensionamento anticipato delle donne, che sembra una conquista, in realtà retroagisce sulla loro carriera, perché il pensionamento anticipato riduce la spinta e gli incentivi verso, per esempio, il fatto di avere corsi, di aggiornare le competenze, perché vuoi crescere nell'impresa. Quindi c'è anche un discorso molto sottile, attenzione a quelle politiche paternalistiche, che sono politiche che in realtà finiscono poi per danneggiare e perpetuare le differenze. Sono paternalistiche nel senso che uno dice, va bene, guarda, poverina, non hai avuto quello che avresti meritato e io ti consolo con questo provvedimento. No, quando si vuole la parità la si deve volere in tutti gli ambiti e a cominciare dall'inizio. Può essere scomodo, però è qualcosa che vale la pena per cui vale la pena combattere. Professoressa, tra i contentini possiamo metterci anche l'assegno di reversibilità? Allora, la politica pensionistica era, vabbè, le donne lavorano meno, lavorano in modo complementare rispetto all'uomo, maturano una pensione bassa necessariamente, anche perché vanno in pensione prima, quindi il gap pensionistico è rilevante, ma anche per tutte queste conseguenze, però poi la natura ci pensa, o il buon Dio ci pensa, e fa morire prima in genere il marito, il partner, per cui si può pensare a una reversibilità. E questo è la classica, è il trabocchetto, cioè le donne devono volere la parità nell'istruzione, nel mondo del lavoro e la parità pensionistica viene di conseguenza. Se tu le discrimini prima, è chiaro che poi arriva il momento in cui devi dire, soprattutto in paesi dove i servizi per
diciamo così, queste attività che sono attività sociali ma che si svolgono in ambito familiare, soprattutto se questi servizi non ci sono, perché noi al sud abbiamo una bassa partecipazione delle donne al lavoro e un'alta disoccupazione, cioè quando poi entrano magari sono disoccupate, ma non entrano anche perché non hanno servizi che possa aiutare loro per la cura dei bambini, per la cura di un genitore magari bisognoso di attenzioni e così via. E questo fra l'altro è un altro di quelle, come dire, nelle società che si reggono molto sulla famiglia, il che è una buona cosa, però la mobilità, che è un requisito importante oggi nel mondo del lavoro, si riduce perché viene questa cosa che è chiamata un contratto implicito, in cui i genitori dicono va bene, ma insomma se tu stai vicino a noi, noi poi ti lasciamo la casa e tu ti puoi prendere cura di noi, e sembra un bellissimo anche aggiustamento, però toglie opportunità, ecco. Quindi il discorso sulle pensioni, se volete, lo facciamo una volta per intero. Allora, un'ultima domanda, Presidente. Abbiamo detto che tante cose sono cambiate, abbiamo fatto anche l'esempio della legge Guelfi-Mosca, sono 10 anni. I tempi tra i tempi della politica, i tempi della messa a terra, i tempi del cambiamento sono sempre dei tempi molto lunghi. E poi appunto stasera abbiamo parlato e stiamo provando a parlare del tempo che serve poi a cambiare le cose anche per chi sta per arrivare al tempo della pensione, ecco. E la parola tempo, sono lunghi, che cosa bisogna fare, cosa si può fare per accorciarli? Le inégalités économiques sont dues à des milliers d'années d'inégalités économiques. Il faut l'avoir en tête, et j'avoue que quand je suis allée à plusieurs reprises en Suède, notamment pour échanger encore il y a 2 mois avec également les féministes, les membres du gouvernement à terme, mais également les associations féministes. Et tous m'ont dit que ça a pris beaucoup de temps. On parle là de changements de comportement, notamment sur la prise en charge domestique et familiale dans les familles, du rapport entre les femmes et les hommes, qui ont pris entre 30 et 40 ans, malgré des lois qui ont été mises en place dès les années 70. Je crois que c'est le micro qui est juste à côté. Non, c'est... Ouais. donc effectivement, ça prend du temps. Ensuite, le temps législatif laisse du temps. La loi Copé-Zimmermann, je ne sais pas ce qu'il en est de la loi Mosca, mais la loi Copé-Zimmermann en France a fonctionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a 46% de femmes dans les conseils d'administration. On partait de 18% parce qu'on a laissé du temps aux entreprises pour le faire. Et lorsqu'on change, on incite à des révolutions à l'intérieur des entreprises, pour que cela fonctionne, il faut laisser du temps. Parfois, il ne faut pas en laisser. En l'occurrence, par exemple, on parlait d'égale conditionnalité. Nous avons déjà acté, là, notamment dans ce texte, des principes d'égale conditionnalité. Nous en avons voté également sur les projets de loi finances. Parfois, il ne faut pas en laisser. À la Banque publique d'investissement, par exemple, on me demande davantage de temps. Moi, je dis que ça n'est pas possible parce que les équipes sont déjà largement féminisées, à 50-50, voire davantage. D'ailleurs, il y a davantage de femmes. Et qu'en fait, la féminisation des instances ou des comités d'investissement aurait dû être faite il y a 3, 4, 5 ans déjà. Donc, je ne vais pas en plus mettre dans la loi 3, 4, 5 ans à venir. C'est maintenant. En revanche, parfois, il faut laisser du temps pour que cela soit applicable. Concernant les retraites, plus spécifiquement, donc en effet, je suis d'accord, totalement d'accord avec vous, la question des retraites, évidemment, vous le savez, hein, entre à peu près 8 à 10% d'inégalité de salaire, 28% en moyenne d'inégalité de revenus entre les femmes et les hommes, et 40%, 40-41% au moment de la retraite en France. Donc, évidemment, les inégalités, elles s'accroissent. C'est un effet boule de neige. Et en effet, la pension de réversion ne peut pas être une solution satisfaisante. Malgré tout, heureusement qu'aujourd'hui, elle existe, parce que sinon, il y aurait un certain nombre de femmes qui n'auraient rien. Ma grand-mère avait 650 euros de retraite, et ma tante a aujourd'hui un peu moins de 500 euros de retraite par mois. Donc, étant toutes les deux agricultrices. Donc, heureusement qu'il y a encore des systèmes de compensation. Ce qu'il faut aujourd'hui, d'abord, c'est que le travail des femmes soit reconnu.
il faut cesser avec le travail invisible, et notamment nous avons acté dans un texte qui s'appelle la loi Pacte en France, la reconnaissance conjoint collaborateur. C'est-à-dire que la bouchère, qui est généralement non pas bouchère de formation, mais qui est la conjointe du boucher, qui est jusqu'à présent travaillée gratuitement pour son conjoint, le boucher, qui si un jour souhaitait partir, ouvrir une boucherie à l'autre bout de la France sans elle, eh bien l'a laissée sans un sou. Donc il a fallu en effet reconnaître des droits sociaux à cette conjointe collaboratrice qui maintenant a un statut et aussi des droits à la retraite. Ensuite, il y a des choses très simples que moi je souhaiterais que nous mettions en place, notamment dans une réforme de la retraite, c'est le partage des points. On pourrait imaginer qu'à l'intérieur d'un foyer, de la même manière que l'on met dans un pot commun le patrimoine d'un couple lorsqu'il y a un divorce, il y a un partage du patrimoine, on pourrait imaginer qu'il y ait des points acquis à la retraite qui soient mis en commun par le couple et qui, au moment du divorce, soient partagés à part égale, considérant que si les revenus de l'un ou de l'autre étant plus faibles, c'est que probablement il y a eu un travail domestique gratuit à l'intérieur du couple et que celui-ci devait donc être pris en charge au moment de la séparation par un partage de points. Donc c'est ce qu'on appelle le splitting. Il est déjà mis en place notamment en Suisse, par exemple. Ça fonctionne. Et donc moi, ça fait partie des réformes, notamment pour la retraite, que je plaide. Mais en amont, ce qui permettra aux femmes, avant tout, de pouvoir avoir une égalité économique, c'est encore une fois de se positionner comme sujet économique à part entière et donc de faire en effet attention à ses revenus, d'être informée, éduquée sur le plan financier. Et puis, le dernier point, je vais être un peu provocatrice, mais il faut que les femmes, et là c'est Virginia Woolf, vous savez, c'est l'ange du foyer, développé dans une conférence par Virginia Woolf. L'ange du foyer, c'est pas l'ange de la maison qui passe l'aspirateur. L'ange du foyer, c'est cette femme parfaite qui plane au-dessus de chacune d'entre nous. C'est cette mère parfaite, cette femme qui sait si bien faire des petits gâteaux, qui a un intérieur fabuleux, qui a des enfants si bien élevés et douchés tous les soirs et au lit à 20h sans un cri. Eh bien, en fait, il faut accepter de tuer l'ange du foyer. Et ce qui permettra aux femmes d'être pleinement des actrices économiques, des sujets économiques, eh bien, c'est de tuer cet ange du foyer et d'accepter d'être cette femme si mal élevée qui va aller demander une augmentation, cette femme si mal élevée qui va peut-être rester en justice parce qu'elle n'aura pas été reconnue à l'issue de son congé maternité, cette députée si mal élevée qui va dire « bah non, coûte que coûte, mon projet de loi et ma proposition de loi devront aboutir », ces ministres, ces activistes qui sont là un soir à 20h devant une assemblée très convaincue en train de défendre des sujets de lutte contre le patriarcat. En bref, tuer cette image que la société souhaite encore trop longuement faire peser sur nous. Donc moi, ce que j'invite chacune à faire, c'est à tuer son ange du foyer. Allora, io ringrazio intanto le partecipanti a questo panel davvero interessantissimo, che secondo me da qui dovremmo ripartire, perché abbiamo solo sorvolato, perché è un tema talmente tanto ampio che veramente ci sarebbe tanto da approfondire. Io ringrazio El Hassani, la Madame Ersen, Madame Fornero, e vorrei chiedere, so che c'è qui con noi Irene Cassagnoli, che è la console generale, per un saluto finale. È troppo difficile parlare e dire qualcosa di interessante dopo un panel così, così interessante. E quindi forse l'unica parola che posso dire, la più vera, è grazie. Grazie, portandovi anche ovviamente i saluti della nostra ambasciatrice, Teresa Castaldo, perché qui abbiamo anche la fortuna di avere un'ambasciatrice. Voglio dire grazie a, ovviamente,
Roberto Giacone, che ci ospita qua alla Maison d'Italie e che dà spesso spazio a queste tematiche, naturalmente alla Presidente Segre e alla Fondazione Global Thinking Foundation, a Libere di Vivere, che vedo e spero di, quanto sono attive, e spero di poter diventare sempre più parte delle loro attività. Grazie naturalmente a tutte le nostre speaker, è stato, e alla nostra moderatrice, è stato interessantissimo sentirvi. Grazie al DIRE, che è un'associazione straordinaria che noi abbiamo sul nostro territorio, del Consolato Generale di Parigi, che ha una collettività molto molto attiva, e il DIRE è proprio un esempio illuminante. Sicuramente ho dimenticato qualche grazie di qualcuno, però un grazie lo voglio dire agli uomini che sono qua dentro, perché quelli vanno ringraziati, perché veramente è importante che ci siano loro ad ascoltare. E quindi un'ultima cosa solo per dire che di tutte le cose interessantissime che sono state dette e che adesso ruminerò, è verissimo, l'indipendenza economica deve diventare un valore sociale, perché deve essere un obiettivo che tutta la società si dà, e je suis prête à tuer l'ange du foyer, je suis prête, je n'ai jamais réussi à l'être et donc je suis avec vous. Et je crois que l'Italie et la France peuvent faire beaucoup de choses ensemble dans, pendant ce moment magnifique qui nous lie dans notre amitié éternelle, ensemble dans la maison commune qui est l'Union européenne. Et je veux dire aussi que l'Italia, abbiamo sentito delle cifre non entusiasmanti, bisogna fare sempre di più, però è una tematica che c'è sempre più presente all'attenzione delle nostre amministrazioni. Io vengo dal Ministero degli Affari Esteri e posso dire nella mia esperienza che dentro il Ministero degli Affari Esteri c'è sempre più consapevolezza di questi temi, c'è un gruppo di donne diplomatiche che si batte per portarli avanti e che ci sono state tante nuove idee che sono sempre lì, ma che è importante portare avanti, che sono state anche ultimamente recepite. Quindi merci, merci beaucoup. Grazie a tutte ed è stato veramente un immenso piacere essere qua con voi stasera, e veramente il faut changer les règles et parfois en les changeant on peut faire aussi le bénéfice des hommes aussi. Dunque grazie a tutti. E allora vi diamo appuntamento al nuovo tour 2022 di Libere di Vivere. Grazie a tutte.